voir. La recette, c'est très simple. Être maman. Avoir 9 mois de ventre. Vous aussi, on va vous appeler maman des princesses. Maman des princes. Voilà la recette. Très simple. Tomber enceinte, mes chéris. Voilà, on va commencer. Vous voyez, non? Voilà. C'est le grain de moringa. Voilà le moringa. Je vais faire ça moringa, comme vous le voyez. C'est le grain de moringa. Le moringa, j'enlève la peau d'abord, comme vous me voyez. La peau de ça, je vais enlever ça d'abord, mes chéris. Vous le voyez. La peau là, j'enlève ça. Voilà, j'enlève la peau là. Voilà. Être maman. Le futur maman. Maman des mamans. Maman des princes. Maman des princesses. Voilà la recette. Avoir 9 mois, vous serez toujours maman des princesses. Vous allez voir, vous aussi, vous allez voir le goût de ça. Vous allez voir le goût de ça, voilà. Le goût de ça, maman. Mais maman chérie, vous allez faire ça, voilà. C'est moringa. Vous me voyez, non? C'est le grain de moringa qui est avec moi comme ça. J'ai fait le grain de moringa comme ça. Voilà. Vous aussi faites comme ça. La fécondation va être toujours facile pour vous. Inch'Allah, par grâce à Dieu. Si Dieu le veut bien, vous êtes future maman. Future maman, mes futures mamans. Voilà, tu as fait des mois, tu as fait des années, tu n'as pas eu. Maintenant, le mois est venu. Dieu nous a dit, le jour, le temps est venu. Donc voilà, je vais râper. Je vais, c'est le moringa que je vais écraser d'abord. Future maman, maman de futur. Les belles mamans, vous le voyez, non? C'est moringa que j'ai mis comme ça, la famille. Vous le voyez, c'est moringa que j'ai ajouté comme ça. Voilà, l'eau est déjà chaude. J'ajoute l'eau, voilà, vous le voyez, l'eau est déjà bouillie. Donc, j'ajoute l'eau. Comme vous me voyez, voilà. J'ajoute l'eau chaude. Voilà, je vais la remuer. Mais maman de futur, maman. Vous le voyez, c'est le curcuma là. Voilà, vous le voyez, c'est le curcuma, c'est le thymiri que je vais ajouter, c'est ça. Donc, voilà. Vous ajoutez ça, mes chéris. Juste une cuillerée. La fécondation va être facile pour vous, mes chéris. Maman des futurs. Voilà, par grâce à Dieu. Voilà. Par grâce à Dieu, mes chéris. Vous le voyez, non? C'est le gingembre en poudre. Voilà, c'est le gingembre en poudre. Si tu n'as pas le gingembre en poudre, tu peux utiliser le gingembre fraîche. Tu peux râper ça aussi pour filtrer le jus de ça, ok? Ça aussi, c'est comme ça. Si tu as le fraîche, tu peux faire ça pour avoir le pour filtrer ça aussi. Donc, c'est important. Donc, voilà, mes chéris. J'ajoute, vous le voyez, non? Le gingembre en poudre. Tellement que c'est pimenté, mes chéris. Je vous assure. Les princesses, princesse serait là toujours. Princesse serait là et le prince serait là toujours, mes chéris. Vous le voyez, non? Vous allez être. C'est très simple. Une recette qui ne prend pas du temps, mes mamans chéris. Voilà, voilà mes chéris. Voilà, c'est chaud d'abord. Hein. L'eau est déjà bouillie, donc on attend d'abord. Vous allez boire, c'est chaud. Comment vous allez consommer ça? Dès que vous allez finir la période là. Vos périodes, dès que vous finissez aujourd'hui là. Commencez, vraiment, ne retardez même pas. Il faut commencer à taper le fer. Commencez à taper le fer. Il ne faut pas laisser. Il ne faut pas lui donner le temps. Il faut aller lui provoquer. Provoquez-lui. Allez, provoque-lui. Tu vas voir. Il ne faut pas donner du temps, mes chéris. Voilà, tu vas tomber enceinte facilement par grâce à Dieu. Juste ces trois ingrédients qui vont vous aider. Le gingembre en poudre, là. Plus le thymeride, là. Plus le moringa, le grain de moringa. C'est très facile de tomber enceinte par grâce à Dieu. Pour moi, Inch'Allah, vous allez être future maman. Vous allez être maman des mamans. Maman des princes, maman des princesses. Vous allez être ça par grâce à Dieu, mes chéris. Donc, merci bien, mes chéris. Merci bien. Voilà, si vous avez des questions, merci bien mes bébés d'Amarillo. Merci tout.